Salut, salut et bienvenue dans la suite du vlog. Donc je vous remets la première partie en barre d'infos, hein, si jamais vous ne l'avez pas vu puisque je l'ai coupé mercredi. Là on est vendredi, donc demain je vois mes petites chéries, je suis trop contente, je suis trop impatiente. Je crois que la journée va être très lente à passer aujourd'hui. Là j'attends Amy pour qu'elle m'appelle. Pour le petit café potin du matin. Oui, on se voit demain tout l'après-midi, enfin presque toute la journée. On a plein de choses à se raconter quand même aujourd'hui. Voilà. Donc, je n'ai absolument pas refait mon canapé. Les couvertures sont propres, il faut que je les réinstalle, mais j'ai une flémingite aiguë et aujourd'hui j'ai pas mal de choses à préparer pour demain, que je vais essayer de vous montrer le maximum. Des positions un peu bizarres. Donc il faut que je prépare, il faut que je me lisse les cheveux, il faut que je prépare le make-up que je vais faire demain, enfin tout ce qu'il me faut pour me maquiller demain. Ma tenue, donc je vous ai mis un sondage sur Insta et je vais aller voir ce matin, c'est toujours la même chose qui prime pour l'instant, donc je vous montrerai ça tout à l'heure. De toute façon, vous verrez tout dans demain, hein, comment je serai maquillée, habillée, tout ça. Maintenant, j'hésite pour mettre au-dessus. Comme petite veste, je crois que je vais mettre le blazer que je vous ai montré hier dans le vlog que j'ai récupéré. Ou un gilet, je ne sais pas. De toute façon, je vais quand même prendre mon gilet pilou avec. Pour si jamais je me les gêne, hein, parce que n'importe quel gilet que je vais mettre, ça ne sera pas assez chaud. Alors, mercredi, j'étais à la sieste, il faut que je vous raconte mon rêve. C'est vrai que j'oublie souvent de vous raconter. Je viens de me plier les sourcils, alors ça me gratouille. Et de raser mon petit minois. Voilà. Il faut que je vous raconte mon rêve de quand j'étais à la sieste mercredi. J'ai raconté à Sam, il était mort de rire. Je fais souvent des rêves chelous. Et c'est vrai que j'oublie souvent de vous en parler en vlog. Mais quand je raconte des fois aux gosses, aux maris ou aux filles ou quoi, elles sont mortes de rire. La dernière fois que je vous avais raconté, c'était quand je me faisais agresser par des footballeurs géants qui me bavaient dessus. Pas des footballeurs, des basketteurs. Bref. Et là, donc j'ai rêvé que j'étais dans un camping. J'étais à cheval, donc c'est un peu en lien avec mon jeu, je pense, hein, quand même. Et j'allais chercher du bois avec ma petite hache à cheval dans le camping. Je croisais des arbres de vie. Je ne sais plus c'est dans quel jeu, ça. Je crois que c'est dans Terra. Ouais, il me semble que c'est dans Terra. Ouais, il me semble. Enfin bref. Donc je croisais des arbres vivants, quoi, hein, en gros. Et tout d'un coup, j'ai croisé Olaf sur un poney. Voilà. Je ne cherchais pas à comprendre. Je me suis réveillée, j'ai rigolé. Je vois pas le rapport entre. Limite le bois, que je vais chercher du bois à cheval et tout ça, c'est en lien avec Portia, mais Olaf, je vois pas. Je vois pas. J'ai pas regardé Reine des Neiges récemment. Je comprends pas, je me comprends pas toujours, hein, voilà. Mais il fallait que je vous raconte parce que ça me fait rire. Ok, et hier, bon, j'ai pas fait grand chose, j'ai fait mes ventes Vinted à fond, j'en ai fait pas mal. Donc vous avez mon lien en barre d'infos. Hein. Et je vais vous montrer ce qu'il me reste à mettre en vente, il me reste plus tant que ça, sauf la partie hiver, hein, parce que voilà, quand c'est automne-hiver, je mets quand c'est la bonne saison. Et le sac bleu, là, que c'est pour jeter, enfin jeter, pour donner aux petits pauvres, hein, comment est-ce qu'on appelle ça, dans les bulles, vous savez, voilà, pour aider les gens. C'est ce qui n'est pas vendable. C'est pas très, très intéressant. Et voilà. Par contre, Lilimus me disait la dernière fois qu'elle avait reçu. Enfin, ça s'était ajouté sur ses impôts, qu'elle a dû payer des impôts sur Vinted. Mais je trouve ça dégueulasse, puisque. Ou alors c'est parce qu'elle a vendu beaucoup de make-up. C'est ce que je me suis dit. À mon avis, elle a vendu beaucoup de make-up. Et comme ça, on est obligé de marquer que c'est neuf, ça compte comme des produits neufs pour la TVA. Maintenant, sur la seconde main, normalement, vous n'êtes pas censé être taxé. Puis en plus, c'est qu'une question logique. Vous avez acheté, payé la TVA, donc les impôts, hein, l'État, en achetant votre t-shirt, on va dire. Donc quand vous le revendez, vous n'avez pas repayé la TVA parce que vous le revendez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc normalement,
ces frais-là des impôts sont calculés, je pense, sur les produits que vous mettez comme neufs. Voilà, donc dites-moi si je me trompe. Je sais après qu'il y a un seuil à pas dépasser. Je crois que c'est 3 000 en France, en Belgique, je ne sais pas. Mon café est un peu chaud, je viens de le faire. Donc voilà. J'ai refait maison pour demain. Donc à l'heure où tout le monde met du pastel et du flashouille, moi je mets du noir. Bon, c'est du noir, c'est du thermique, vous voyez. Il devient blanc quand j'ai chaud, mais bon là j'ai un peu froid les doigts. Voilà, il y a plein de paillettes. C'est du Elite 99, hein, comme d'hab, comme très souvent. C'est vraiment les vernis que je préfère. Donc vous l'avez, de toute façon, vous avez le lien, la référence et le lien en barre d'infos. Chaque fois que je change de vernis, je vous mets dans les barres d'infos. Voilà. Mais moi, je suis passée au noir alors que tout le monde met des couleurs pastel pour rappeler le soleil. Je regarde où est mon chien. Je ne le trouve pas. J'attends une commande boutique. Encore. Je n'ai pas commandé grand-chose. Hein. En fait, il y avait un produit. Comme vous allez avoir le concours vendredi dès 9 ans, il y avait un produit que je voulais vous mettre absolument. Donc, c'est pas un truc de foufou. Hein. Mais que je voulais vous mettre absolument parce que je l'adore. C'est du petit prix et j'adore. Et du coup, j'ai recommandé ça. J'ai recommandé un goupillon Révolution pour moi. Avec l'autre côté, une espèce de peigne. Je vous montrerai quand je l'aurai reçu. Je ne sais pas à quelle heure elle va arriver. Du coup, j'en ai pris deux de plus. Comme ça, je vous les mettrai dans les lots de Noël. Voilà, quand je fais des petites commandes comme ça, de temps en temps, je prends des trucs en triple pour vous mettre dans les lots des concours. Voilà mon chien. Et du coup, là, comme je prépare hein, toute l'année celui de Noël, qui commence à bien se remplir, je suis contente. Il y aura de nouveau d'autres choses qui vont s'ajouter, hein, forcément, au fil du reste de l'année. Hein, on est qu'au mois de juin, donc. Et je me suis repris des pinceaux, donc les pinceaux plats, parce que franchement, les pinceaux plats Boozy Shop, je crois que c'est les meilleurs que j'ai utilisés. Ouais, franchement, donc j'en ai repris deux de chaque, un normal et un petit. Et je me suis pris le miroir Boozy Shop aussi, mais là il était qu'en rose, il n'était pas en noir. Après la couleur, je m'en fous. Vous savez, celui qui se déplie comme ça, je crois que c'est celui qui est mis, elle a. Parce que là j'utilise le rond de chez Ikea, mais il est un peu petit pour que je puisse voir ma face complète. Donc je garderai le Ikea pour le côté grossissant, pour quand je fais des liners graphiques, enfin vous me connaissez quoi, faire mes petits liners. Il faut aussi que je raccommode mon pull Queen hein du haul de Shein, donc je vous le remets en barre d'infos. Vous avez été nombreux à me dire que c'était mieux quand je mettais les deux lanières, une de chaque côté, plutôt que le col comme ça. Donc du coup, je vais recoudre pour qu'elle tienne bien, quoi, hein, qu'elle ne fasse pas un grand truc. Sauf que j'ai demandé à Chérie hier de me ranger la boîte à couture. Et là, je vais devoir lui demander qu'il me la redescende, ou un des gosses quand ils vont se lever. Voilà, donc ça, je ferai ça aujourd'hui aussi, je pense. Et il faut que j'achève absolument mes ventes de Vinted. Donc là, je vais vous montrer ce qui me reste en vente Vinted, parce que je vais essayer que le vlog ne soit pas non plus hyper long, parce que je vais avoir un petit laps de temps pour le monter et tout ça. Je m'éclate toujours autant sur mon nouveau programme de montage, le Filmora, là. D'ailleurs, on a compris pourquoi il était plus cher, je vous l'ai dit, c'est la version 10 que j'ai et pas la version 9 pour les films, mais j'avais aussi un mois de film stock. Donc là, c'est pour avoir plus d'effets, de transition et tout ça. Et du coup, comme il y en a plein que j'adore, j'ai pris l'abonnement à 1 an. Voilà, bon, il y en a pour 100 balles, hein, mais au moins je suis tranquille pendant 1 an, j'ai l'abonnement film stock là et je pourrais piocher. Donc là, je ne sais toujours pas. Là, ça sera la. Je pense que pour ce vlog-ci, je vais vous mettre celui d'été, hein, du vlog d'été, parce qu'on n'en aura pas tant que ça, des vlogs en été. Enfin, il y en aura un par semaine, mais ça fait peu de. Donc on va profiter de. Des petits flamants roses de mon intro. Et j'attends de savoir vos retours dimanche pour savoir. Enfin, moi je les ai pas encore vus, hein, puisqu'on est vendredi. Donc pour savoir quelle intro on va mettre. J'espère que vous aurez choisi la bonne. Ah bah maintenant je peux vous le dire. Celle que moi je préfère, c'est Kiwi. Voilà. Donc je sais pas ce que vous aurez choisi. Mais au départ, j'avais fait la Kiwi sans la couronne.
Mais j'aimais vraiment bien mettre la couronne parce que voilà, c'est absolument le délire en ce moment sur, sur ma chaîne et sur mon compte Insta, n'est-ce pas? Et avec les copines et tout. Donc, je trouvais que c'était trop bien de faire le rappel avec mon logo. Donc, du coup, j'ai intégré au kiwi et c'est celle que je préfère maintenant. Voilà. Puis, je trouve que pour l'été, elle est bien. Peut-être que je mettrai la verte en automne si vous avez choisi la kiwi. Voilà, tout simplement. Bon, je vous montre mes ventes Vinted qui me restent à faire. Voilà, ça fait déjà 10 minutes que je blablate là. Et j'essaye que le vlog soit pas trop long. Quoique, avec Filmora, ça s'importe super vite. Et à mon avis, les fichiers sont vachement moins lourds que sur Final Cut. Parce que du coup, ça s'importe beaucoup plus vite aussi. Donc, je vous compte en 5 minutes, mon enregistre 5-10 minutes, mon enregistrement est terminé, alors que les vlogs, il me fallait presque 1 heure pour l'enregistrer avec Final Cut Pro. Et pour les importer, je mets 1 demi-heure. Hein. Pour les vlogs, hein, je parle, hein, les autres vidéos, ça va plus vite encore. Bref. Donc voilà, il me reste ça à mettre en vente. Vous voyez, il y a encore une belle quantité quand même, hein, qui sont sur mes pelets. J'ai 2 jeux de société à mettre. Et ça, c'est ce que j'ai mis. Alors, attendez, ça c'est le son. Je ne sais pas où poser. Bon, je vais le poser là. Donc c'est ce pull-là qu'il faut que je, voyez, que je couse la petite bretelle ici pour qu'elle reste de l'autre côté. Et ça, c'est tout ce que j'ai mis en vente hier. Donc j'ai pas chômé, hein, et le panier qui est plein et j'en ai déjà remonté un petit peu. Donc je suis assez fière de moi, il faut dire, j'ai pas chômé. Bon, maintenant il reste encore tout ça à faire. Ça, c'est autre chose. Hein. Ah, et je vois mes lunettes de soleil, il faut que je les règle aussi pour demain parce qu'elles sont trop larges. Donc il faut que je retrouve mon sèche-cheveux. Il me sert qu'à ça en fait, hein, pour régler mes lunettes. Pour qu'elles soient. Parce que je les perds. Voilà, donc ça c'est à faire absolument aujourd'hui. Il faut que je me penche pour vous voir. Alors je viens te raccommoder mon pull pour le porter comme ça. Voilà. C'est quand même beaucoup plus joli. Et comme on m'a dit, dans mon haul, c'est plus joli pour le port de tête que de couper ici. Donc voilà, j'ai fait un petit raccord, donc ça fait un peu bizarre. Vous voyez ici, parce que j'ai pas envie de la couper non plus. J'ai pas envie que ça s'abîme. Mais j'ai fait des petits points, vous allez rien voir. Pour coudre la bretelle à la bonne taille, quoi. Et voilà. Du coup, l'écriture est plus asymétrique, mais comme le col est asymétrique aussi, ça va. Donc voilà, je vais pouvoir aller le ranger. Hein, j'aime vraiment beaucoup ce pull. Il y a une abeille. Je vais les faire sortir la Maya. Nourrir mes chiens. Et j'attends mon colis Boozy Shop. Oui, il est 9h36. Je vous ai encore pas donné l'heure, je crois, juste avant. Hein, mais comme je me suis levé à 7h, il devait être à peu près 8h. Un peu avant 8h d'ailleurs, parce que Amy m'a appelé vers 8h15, je crois. Bref, voilà. Bon, bah j'ai déjà fait ça. Là, je vais faire quelques ventes vintage. Je suis en train de regarder Turner sur Amazon Prime. Pas Prime, sur vidéo, Amazon TV, Amazon Vidéo. Je ne sais plus comment ce qu'on dit. Prime Vidéo. Voilà. Je suis en train de regarder ça. Et j'attends ma commande Boozy Shop. Je vais faire mes ventes vintage en même temps que je regarde le film. C'est la base. La base de la base. Si vous êtes comme moi, fan de tueurs en série, de psychopathes, c'est un des films qui m'a que j'ai le plus regardé de ma vie, je crois. J'avais la cassette VHS quand j'étais ado. Je la passais en boucle. Elle déconnait à la fin. Elle faisait des petits traits dedans, tellement à force de la lire. Voilà. Bon, je vais continuer à ranger un peu. J'ai déjà commencé à préparer un peu ce qu'il me faut pour demain. Mon pilou-pilou, notamment. Et je pense que je vais faire tourner ma machine pour avoir mon gilet marron pour mettre par-dessus le top. C'est toujours le top noir qui gagne pour l'instant avec le jeans. Donc je vais aller revérifier ça avant d'aller les préparer. Mais je vais faire tourner ma machine, comme ça j'ai mon gilet marron. Je voulais mettre le blazer. Ou alors je vais essayer les deux et je vous demanderai sur Insta lequel je mets, je pense. Je ne sais pas, je vais voir ce qui me plaît le plus ou pas. Si j'hésite, je vous demanderai votre avis comme d'hab. Ok, allez, à tout de suite. Donc, vu que j'attends toujours le livreur PostNL, j'ai déjà été préparer mon make-up, donc je vais vous montrer et vous expliquer en gros ce que je vais faire pour le teint. Wow. Je prends tout simplement ce qui est dans ma rotation et je vais
Vous entendez ma machine à souris, c'est merveilleux. Je vais retester celui-là, comme ça je le mets à l'épreuve. Et pour mon teint, j'utiliserai ceci, sauf pour l'highlighter que je mettrai du vert de chez KVD. Ou non, enfin ou si, je ne sais pas encore. j'ai redescendu le mascara Anastasia puisque j'ai fini l'essence. Donc maintenant, c'est celui que je dois utiliser qui est entamé. Alors, je vous disais que j'hésitais entre soit la paupière mobile pailletée et le trait de liner noir ou le make-up kaki. Donc, du coup, je vais faire les paillettes et un trait de liner kaki. Donc, pour les paillettes, je vais tout simplement prendre l'highlighter Get Wet en teinte Skin Sheen de chez Be Perfect, qui est vert avec des reflets verts, hein, tout simplement, voilà, avec des petites paillettes vertes. Donc, je le mettrai peut-être bien en tant qu'highlighter aussi. Peut-être par-dessus l'Anastasia. Pour faire le liner, je vais prendre le Dirty Money des rouges à lèvres de chez Jeffree Star. Donc, je ne le mettrai pas sur mes lèvres, par contre, parce que comme on va manger et tout ça, ça va partir de manière assez caca, j'aime pas. Donc, sur les lèvres, je vais mettre le rouge à lèvres Guerlain avec le crayon Charlotte Tilbury, comme ça, je l'utilise. Les paillettes, je mettrai celles du Kiko. Qui sont, là, je vais bientôt pouvoir le jeter, je pense. J'ai du mal à en prélever maintenant, donc... Et il faudra que je repasse chez Kiko, me rechercher. Hein. Et je vais également prendre la Mint To Be de chez Colourpop pour mettre ce fard-là en coin interne. Voilà, j'ai envie de faire. Quoique, je le pense, je le voulais un peu plus anisé. Qu'est-ce qu'il donne? Oh, si, ça le fera. Je voulais de l'anis, mais voilà, du mint comme ça, ce sera très bien. Donc, je mettrai celui-là et peut-être celui-là par-dessus en coin interne. Donc, voilà pour le make-up. Je me suis foutu du fard à paupières partout. Donc, la tenue, ça sera le pull noir avec le trou ici, voilà, que vous avez choisi sur Insta. Le jean taille haute de mon dernier haul. Et je vais mettre mon petit gilet marron avec la fourrure là que j'avais acheté sur Vinted, que je mets tout le temps... Voilà, il est parfait pour moi pour les mi-saisons. C'est un gilet, enfin, je l'adore ce gilet. Franchement, pour le prix que j'ai payé, c'était 8 euros, je crois. J'en suis ravie. Et je ferai une demi-queue avec ma petite barrette, comme ça, je pense. Voilà. Je verrai s'il va aller avec mon gilet. Donc, la tenue, le make-up, je vous ai montré. Donc, vous verrez le rendu demain. Ah, voilà, Georges qui se lève. Vous verrez tout ce que ça donne demain. Et avec Ridou qui descend comme une colle. Ah non, c'est le gros. Je vais faire pipi d'abord et je te donne à manger après. Là, pour aujourd'hui, il me reste à vous montrer les swaps que je vais aller chercher juste après. Vu que Georges descend, je vais pouvoir... Wesh. Wesh, wesh, canne à pêche. Bisous à ta maman. Non, t'es punie. Ah, je suis punie. D'accord, j'ai rien fait pourtant. Je vais aller chercher les swaps en haut, maintenant que Georges est là, au cas où il faudrait récupérer mon colis tout de suite. Et je vous montrerai ma commande quand je l'aurai reçue. Bon, il n'y a vraiment pas grand-chose, hein, je vous ai dit. Je la déballerai avec vous, je sais que vous aimez bien ça. Donc, voilà. Et j'ai bien avancé. Maintenant, il me reste quelques ventes Vinted à faire encore, mais j'ai bien avancé. Regardez. Voilà. Il m'en reste beaucoup moins que ce matin. Alors là, je viens de vous partager sur Insta, j'ai reçu un message sur Vinted. Vous êtes une arnaqueuse, enfin, je suppose que c'est ce que ça voulait dire. C'est une personne que je ne connais pas, je n'ai pas fait de vente avec elle, pas d'achat, rien. Voilà, une femme qui a 5 évaluations qui vient me sortir ça. Donc voilà, je vous reprends après pour vous montrer ma commande Boozy Shop et les swaps. Et la journée sera bonne, j'aurai fait tout ce que j'avais à faire et j'ai plus qu'à continuer mes ventes Vinted. Et c'est très bien. Voilà, à tout de suite. Alors, il est 13h30, vous voyez que j'ai encore un petit peu avancé dans mes ventes Vinted, je suis contente. J'ai pas fini encore, hein, mais voilà. Là, je viens de descendre les swaps. Quoi? Toi, quoi?
Je viens de descendre les sommes, donc je vais juste vous montrer en coup de vent comme ça pour pas trop trop non plus vous spoiler. Hein. Là déjà il y a le cadeau d'anniversaire d'Emmy. Voilà. Petit plage de papier cadeau, c'est le sac que j'avais reçu mon cadeau d'anniversaire de la part de Manon. Alors les contenants pour les filles, j'ai commandé ça sur AliExpress. Donc je vous mets les liens en barre d'infos. C'est des sacs Kaba comme ça pour les courses. Voilà, avec la lettre. Là, c'est en rose, rose poudré avec des petites fleurs pour Manon. Voilà, donc il y a presque tout qui est rentré dedans, sauf deux trucs, mais vous allez voir le gabarit des choses. Il y a un cadeau de chez Douglas qui rentre absolument pas dans le sac. Et celui-là aussi, voilà, c'est normal que ça rentre pas dedans. Et pour Amy, je lui ai pris la même chose, mais avec la lettre en noir et les fleurs colorées. Voilà, je me suis dit comme ça, c'est un petit contenant qu'elles peuvent réutiliser. C'est pas perdu, quoi. C'est pas juste un bête carton ou une bête boîte, un bête carton comme Amy par exemple. Je sais que c'est. Elle n'a pas trouvé d'autres contenants. Bon, elle n'a pas beaucoup cherché, je pense, mais voilà, enfin, ouais, on s'en fout. Mais... Moi j'aime bien voilà, mettre un petit contenant un peu plus particulier. Et ça, c'est le cadeau, donc son dernier cadeau qui ne rentrait pas dedans. Et voilà, donc pour le principe du swap, je vous expliquerai de toute façon dans la vidéo de mercredi pour vous, puisque moi je vais le déballer demain soir en rentrant, bien évidemment. Hein, voilà. D'ailleurs, il faudra que je prépare. Par contre, pour tout ce qui est de la journée de demain, je vais vous filmer avec le téléphone, hein, parce que je ne peux pas, en voyageant comme ça, je peux pas et prendre l'appareil, filmer l'image et enregistrer le son avec mon téléphone et tenir les deux, c'est juste pas possible. Donc je filmerai tout avec mon téléphone. Et voilà, après l'image est bonne, des fois ça part en cacahuète, je sais pas pourquoi. C'est un iPhone 11 et des fois l'image elle est merdique. Voilà, ben moi je vais ranger ça, j'ai même pas assez de place dans un sac. C'est un truc de fou. Ouais, voilà, il me reste plus qu'à attendre ma commande Boozy Shop ou que les gosses rentrent parce qu'ils sont en train de manger sur la terrasse. Pour aller à la sieste, parce que là, je commence à fatiguer quand même. Je suis quand même réveillée depuis 7h moins le quart. J'ai terminé tournée. Bon, après, j'ai fait beaucoup de pauses et tout ça, parce que j'ai commencé assez tôt, mais il faut seulement que je le termine. Et là, je vais regarder... enfin, regarder, je l'ai déjà vu plusieurs fois. 3096 jours. C'est sur Netflix, cette fois-ci. C'est... le film tiré de l'histoire de l'enlèvement de Natacha Kampusch. Et je l'aime beaucoup, il n'est pas en français, mais il est en anglais, très facile à comprendre, et il y a les sous-titres, normalement, je vais vérifier ça. Mais après, normalement, c'est un film autrichien, donc voilà, déjà qu'ils l'ont tourné en anglais, c'est déjà pas mal, je trouve. Et voilà, sinon pour le reste, ouais, j'attends plus que ma commande vous échappe, et je dois lisser mes cheveux encore, mais je ne sais pas si je vais le faire ce soir. De toute façon, si je le fais, c'est après la sieste, ou si je prends quand même le temps de le faire demain matin. J'ai mis sonné à 7h au matin pour avoir le temps de me préparer et de préparer ce qu'on aurait pu oublier, parce que je connais monsieur. Hein. Moi, j'aurais rien oublié, hein, mais lui, il va oublier des trucs. Donc, je vais lui rappeler ce soir, puis il me dira « Oui, t'inquiète. » Et puis demain matin, je lui dirai « T'as préparé ça ?» Il va me dire « Ah ben non, j'ai oublié. » Voilà, les messieurs, quoi. Bon, écoutez, je vais attendre encore un peu ma commande Boozy Shop. De toute façon, c'est pas important que je vous montre. Il n'y a rien de spécial pour ce week-end. Donc au pire je vous montrerai dans le vlog de dimanche que moi je vais commencer à tourner lundi les pinceaux, le miroir, tout ça, vraiment rien d'important. Donc voilà, soit je vous reprends tout à l'heure pour ça s'il vient pas trop tard, soit on passe directement à demain matin que je me prépare pour aller voir mes nénettes et j'ai trop hâte. Voilà, la journée est longue, hein, très longue, hein. Ben, en même temps je suis élevée depuis 7h. Et j'ai fait plein de trucs et j'ai l'impression que ça fait 3 jours que j'ai pas dormi et que je suis debout à faire des choses pour faire passer le temps, quoi. Bref. Allez, bon, de toute façon, on switch, saute de moment, saute de jour. Alors, il est 8h05. Je vous prends juste 5 minutes parce que j'ai un truc à vous raconter par rapport à hier. Et je vais vite vous montrer ce que j'ai reçu hier chez Boozy Shop. J'essaie de la frapper. Alors, le miroir, comme d'hab. Je m'attends à ce qu'il soit plus grand. Bien sûr, les mesures doivent être notées sur le site, hein, mais j'ai pas été voir. Sinon, c'est pas marrant.
Donc il est assez riziki. Je testerai, sinon je vous mettrai dans l'eau du concours. Mais je pense pas que ça soit beaucoup plus grand que... voilà. Attendez, comme ça. Que ce soit beaucoup plus grand que le rond que j'ai, sauf qu'il est carré. Mais j'essaierai. Par contre, j'aime beaucoup le système pour le poser. Vous pouvez aussi le prendre pour voyager. Ça, c'est pas mal. Bien que moi, je ne voyage pas, donc je n'en ai aucun intérêt. Attendez, parce que j'ai aussi mis les papiers bulles. Hein. Donc, en cadeau, j'ai eu l'éponge démaquillante de chez Boozy Shop, que moi, j'aime beaucoup. Donc, je vous la mettrai dans le lot du concours aussi. J'ai commandé, donc là, c'est les deux votes pour Noël. Le goupillon comme ça, de chez Révolution. Alors, attendez, je vous lis ce qui est marqué, je vous le montre les palais. C'est le Soap Styler Brow Brush, Creature Look, Vegan, Creative Free, Pinceau Estompeur. Voilà, apparemment, ça serait un spécial pour les soap brows, si je comprends bien. Double embout vous permet d'atteindre les poils de devant, même les plus fins. Sourcils volumineux, digne des plus grands, mannequin, vegan, cruelty free, antibactérien. Voilà. C'est du synthétique air. Donc moi je vais le tester maintenant. Je viens de faire tomber tous mes pinceaux. Donc vous avez d'un côté le goupillon, hein, tout ce qu'il y a de plus classique, qui est peut-être pas assez dense pour le savon, mais à tester. Bon, c'est des plus classiques. Hein. Et de l'autre côté, vous avez un peigne comme ça en poil. Je pensais qu'ils étaient en caoutchouc. Il faut vraiment que j'apprenne à lire la description des produits avant de les acheter. Je pensais qu'ils étaient un peu en genre de caoutchouc. Mais je pense que pour brosser les sourcils, moi qui les brosse même quand je ne me maquille pas, ça peut être pas mal. Donc, je vais tester ça tout de suite. Et donc, comme je vous l'ai dit, je me suis recommandé deux fois deux pinceaux. Donc, deux plats un peu plus large et deux plats fins, parce que franchement, ils sont géniaux. Pour le prix, ils sont géniaux. Et le petit produit que je voulais absolument vous mettre dans le concours, c'est le lip mask. Oui, c'est ma nouvelle option, hein, je vous l'ai expliqué. À la fraise de chez W7. Et sur tous les lip masks que j'ai essayé dernièrement, c'est celui que je préfère. Voilà, celui à la lavande de chez Catrice. Je vais le donner à Manon là, pendant l'échange de ça, parce qu'on voit tout à l'heure. Et celui au chocolat de chez iHeart, je l'ai donné à ma nièce pour ses lèvres. Je t'avais dit de toute façon que j'en avais pris un pour elle avec. Et moi, j'ai gardé celui au café latte Central Perk, la collaboration avec Friends. Donc, je vais préparer mon savon pour mes sourcils quand que je vous cause. Donc, hier, on a été chez mon frère. Puisque pour monsieur voulait changer les pneus de la voiture avant de partir, hein, parce qu'il y a encore les pneus hiver. Mon frère aussi d'ailleurs. Et on a été à 5h. 5h, 5h10 chez mon frère. Et il a commencé à avoir du tonnerre. Mais du bon tonnerre. Hein. Du soleil, mais du bon tonnerre. Et du coup, on est rentré à 9h juste avant le couvre-feu français. Puisque là en France, vous avez toujours un couvre-feu qui est passé à 21h. Et les pneus n'ont toujours pas été changés. Donc là, monsieur vient de repartir pour aller changer les pneus. En fait, ils sont restés coincés au Ricard. Voilà. Sympa. Donc là, il vient de repartir chez mon frère pour aller les changer juste avant de partir. Après, il doit aller les gonfler. Et à la pompe. De toute façon, oui, il doit aller les gonfler à la pompe. Mais il nous faut du tabac. Il doit gonfler les pneus. Il faut mettre le plein d'essence pour aller... chez Amy. Donc voilà, ils viennent partir faire ça. Donc je me suis dit, je vais vous raconter quand même, parce que, genre, on y va. Dis à ton frère qu'on y va. Parce que ici devant, on ne savait pas le faire, il y a trop de circulation, beaucoup trop, c'est trop dangereux. Donc chez mon frère, c'est un peu plus calme, c'est une rue un peu plus retirée. Donc il me dit, dis à ton frère qu'on va chez lui pour changer les pneus. Ouais, ouais. Du coup, les pneus ne sont toujours pas changés. Donc là, j'espère qu'ils ne vont pas sortir le Ricard. Bon, après, à 8h du matin, ce serait quand même malheureux, hein. Mais voilà. Donc j'ai hâte d'aller voir mes fifis. On aura attendu hein, ce repas. Après le repas, en soi, on s'en fout. Hein, clairement. Parce que Amy me disait, oh là là, il y a une... ils ont dévalisé les magasins, les gens. Je vais dézoomer peut-être un petit peu. Bon, on verra un peu plus le bordel, mais on s'en fout.
Ils ont dévalisé les rayons de viande barbecue parce qu'il y a un rayon de soleil hier et avant-hier. J'ai dit, on s'en fout ce qu'on mange, même une tartine. Donc, je vais essayer de l'autre côté, donc je vous tiens. Ah, oh, ah, oh, j'aime bien. Ça les définit encore plus que le goupillon, une fois qu'on repasse un coup dedans. Comme le plaqué avec le cucu. Ah, oh, pas mal. Il brosse bien. Bon, après, c'est un goupillon, hein, c'est pas non plus le truc le plus exceptionnel au monde. Hein. Mais bon, vous connaissez mon obsession pour les sourcils, hein, n'est-ce pas? C'est pas comme si j'étais en manque de goupillons, hein, j'en ai. Mais voilà. Donc je sais pas du tout ce que je vais vous vlogger aujourd'hui, mais je vais quand même essayer de vous vlogger une bonne partie. Hein. Puisqu'en sachant qu'aucun des trois messieurs, hein, que ce soit le mien ou le dindon d'Emmy ou Nico, enfin le chéri de Manon, ne veut être sur les vidéos, ce que je respecte totalement. Donc du coup, il faudra qu'on puisse vlogger. De toute façon, Emmy va vlogger aussi. Donc il faudra qu'on puisse vlogger en se mettant à l'écart. Quoi. Voilà, voilà. Donc bah écoutez, moi je vais me préparer parce que si je commence à blablater trop avec vous, je vais être à la bourre. Voilà. Et c'est tout. Je vais faire ma demi-queue. Et quand j'ouvre mon tiroir, j'ai mon PC qui vient avec. C'est dangereux. Je vais faire ma petite demi-queue. Bon, maintenant on attend l'échange des swaps, hein, avec impatience et les déballages, puisque on est impatiente et on stresse un peu pour savoir si tout va plaire aux filles, enfin, les unes aux autres, quoi. J'ai quand même donné un petit coup de lisseur en mes cheveux, mais vraiment rapido, hein, parce que je viens de le faire maintenant. Donc pour essayer de gagner du temps, j'ai vraiment fait ça à l'arrache. J'ai fait ça comme une barbare. Mais on s'en fout. Alors, je fais ma petite cahouette. Faut pas que j'oublie de prendre mon chargeur de téléphone avec, parce que comme je vais vous filmer avec le téléphone... Donc je m'excuse si la partie suivante est pas top, question image ou quoi, parce que j'ai vraiment pas le choix. Tant que j'ai pas mon autre appareil, j'ai pas le choix... Je peux pas. Le son de l'appareil photo, si je le prends tout seul, est trop merdique. Et je peux pas prendre les deux en. Filmer les deux en même temps. Oh, ces petites méchouilles là. Ça m'énerve. J'ai un cheveu qui se balade. Franchement, je peux pas faire autrement. Déjà que je vais en chier pour les mettre sur le PC et tout, les fichiers après. Mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Hein. Bon, après, il faut que je trouve un système pour ces petites mèches là. Mais le menhir. Je vais me les couper. Je vais me raser la tête, j'ai déjà dit. Une fois que j'aurai réussi à acheter l'autre appareil, ce sera moins chiant parce que j'ai déjà tous les micros qu'il faut, vu qu'avant, avec le réflexe, je mettais les micros. Donc, j'essuie de bureau pour quand je filme les vidéos à la maison. Et j'ai un espèce de Rode AliExpress, hein, mais qui s'accroche sur l'appareil. Donc, avec l'autre téléphone, je serai moins emmerdé, question vlog. Puisque je pourrais plus facilement trimballer à droite à gauche mon appareil sans devoir enregistrer le son avec le téléphone, que je ne sais pas où poser, parce que je ne sais pas le tenir. Voilà. Là, je le pose à chaque fois ici devant moi, sur ma boîte de tabac, pour qu'il soit à hauteur de ma bouche et que ça ne fasse pas des sons. Bref, c'est pas le sujet, c'est pas la journée de parler de ça. Je vous ai montré ma commande Boozy Shop, je vous ai raconté les conneries de monsieur d'hier, j'ai testé le goupillon et... Je vais donc me maquiller et je vous reprends après. Donc là, j'ai déjà mis le pull. C'est celui-là, hein, que vous vouliez. Après, j'ai plus qu'à enfiler mon jeans et mon gilet que vous ne voyez pas, mais qui est en train de... que j'avais mis sécher ici au-dessus.
Mon gilet marron, hein, que je mets tout le temps, de toute façon. Donc, allez, on se retrouve plus tard. Donc, il est 9h, il est 8h56. Je viens de finir de me maquiller. Donc, j'ai mis mon petit nœud, hein, ça, je vous avais montré. Et voilà, make-up. Voilà. Je l'ai fait assez soft. Hein. J'ai réutilisé donc le fond de teint sérum là, que je vous ai dit pour le retester. J'ai juste mis un petit peu de fond de teint poudre Révolution par-dessus, surtout au niveau de ma trace des lunettes, parce que comme s'il y a du soleil, je vais devoir changer de lunettes, c'est pour pas faire une grosse trace. J'ai le mascara Anastasia que j'aime beaucoup. Maintenant, je trouve pas qu'il soit incroyable par rapport aux Essence ou aux Catrice. Mes lunettes sont toujours de Traviole. Donc, chérie n'est toujours pas rentrée. On part dans une heure, donc j'espère bien qu'il va se manier. Il me reste à bêtement bouger avec mon jeans. Il faut que j'aille donner un coup sur mes godasses, parce que c'est des neuves. Ça fait 4 ans que j'ai les chaussures, je les ai jamais mis. C'est des baskets montantes noires, hein, tout simplement. Mais elles sont blindées de poussière, du coup, même que je les ai jamais utilisées. Donc, je vais aller donner un coup dessus. Et voilà, me mettre un petit coup de perfume. D'ailleurs, j'ai reçu un mail hier de Nox pour me reproposer un partenariat, donc... Je vous en reparle très vite dans un vlog, je pense. Je ne vais pas faire une vidéo dédiée. Mais je vais quand même vous afficher les promos qu'ils proposent. Parce que pour la fête des pères, par exemple, ils font moins 20% sur les parfums hommes, mais c'est que quelques jours. Donc, je vais vous les afficher à l'écran maintenant, les promos, pour si vous voulez en profiter tout de suite. Et voilà, là, ils viennent de m'envoyer le mail comme quoi ils allaient me décompter mes sous. Donc on est quand même presque à 75 euros grâce à vous. Vous êtes incroyable. Donc c'est des choses que je pourrais mettre de côté. Quoique je dois des sous sur le compte. Puisque j'ai acheté le Filmstock là. Pour un an. Donc je dois remettre un peu de sous. Voilà. Donc voilà, maintenant j'attends monsieur. Je vais mettre mon pantalon. Mes cheveux resteront peut-être pas lisses. Enfin, après, moi, ils tiennent bien. Donc, j'ai pas trop. Faut que je pense à nourrir les chiens aussi avant de partir. Parce que les gosses se lèveront trop tard. J'espère que ça ira avec le chien. Je peux jamais. C'est ce que je disais à Enzo. Je peux jamais partir l'esprit tranquille. Normalement, ils devaient partir, les garçons, le week-end. Comme ils avaient fait la dernière fois, là. Hein, soi-disant de pêche. Là, ils sont pas partis finalement, donc ça m'a rassuré parce que je voulais pas les savoir, je ne sais pas où exactement, dans un champ, alors que j'étais pas à la maison, et laisser les chiens tout seuls aussi longtemps, j'aime pas. Quand c'est l'histoire d'aller faire les courses, je m'en fous, mais quand c'est aussi longtemps, j'aime pas. Et en plus, là, hier soir, le chien nous a fait une big crise d'épilepsie. Voilà, il a convulsé et tout, donc je peux jamais partir l'esprit tranquille, moi. Ça faisait très longtemps. Je touche du singe. Ça faisait très longtemps qu'il n'en avait pas fait. Et justement, j'ai pensé hier. Moi, il faut que j'arrête de penser. Hein. Chaque fois que je pense à un truc, ça arrive. C'est un truc de fou. Je pensais que ça faisait très longtemps qu'il n'en avait pas fait. Et bam, il nous en a fait une hier soir. Qui a été coton. Hein. Elle était coton, celle-là. Mais bon, maintenant, il va mieux. Heureusement, pour l'instant, il n'a pas de séquelles. Le jour où il commencera à avoir des séquelles, il faudra qu'on envisage le pire. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc... Il le vit bien. Après, il oublie. C'est ça qui est bien. C'est que, bah, comme les épileptiques humains, hein, après, vous oubliez, ils savent qu'ils ont fait une crise, en gros, les humains, mais ils ne savent pas exactement ce qui s'est passé. Donc, voilà. Bref, bah, écoutez, je vous reprends pour vous remontrer ma tenue après, avec le magnifique sac poubelle en fond et le canapé qui n'a pas été refait, puisque chérie a dormi dedans. Hein, voilà, c'est le week-end, donc il dort dans le canapé. D'ailleurs, avec tous les Ricards qui s'est enfilé hier, forcément, il a bien dormi. Il ronflait quand je suis montée me coucher. Voilà, voilà. Ouais, donc Nox m'a proposé un partenariat là, pour m'envoyer 3 parfums, plus le collier en cadeau que je vous ai affiché, la promo, là, qui a l'air très, 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 très beau, d'ailleurs. Du coup, j'ai pris 2 parfums pour les garçons. J'avais dit que de toute façon, après, il faudra que je leur dise, je vais pas prendre des parfums tous les mois. Hein. Ça me sert à rien. Je vais pas avoir un stock infini de parfums là, alors que je vais pas m'en servir quoi. Enfin, que je m'en sers que très rarement. Je mets pas du parfum tous les jours. Donc voilà. Après, là, c'est parce qu'il y a vraiment une offre spéciale. Je trouve ça génial. J'aime bien, ils font des bonnes promos quand même. Voilà, c'est déjà pas cher. Et je crois que mon code est cumulable. Si jamais vous avez les 20% sur les parfums hommes, là, si vous commandez pour la fête des pères, il me semble que mon 10% est cumulable. Je ne suis pas sûr, il faudrait que je demande confirmation.
Ça, je vous dirai quand si j'y pense de demander. Mais au pire, si vous essayez, bah, dites-le moi en commentaire, comme ça je sais aussi. Voilà. Normalement, le code promo que moi j'ai est cumulable avec les autres offres. Mais il faut que je demande, faudrait que je demande confirmation. Ou que vous me le confirmiez, tout simplement. Voilà, voilà. Bon, quand je vois le tas de linge qui n'a pas diminué, puisque j'ai pas refait de vente. Alors, j'ai même pas eu le temps de regarder Raya. Je voulais regarder. Amy m'a filé ses logins Disney+, puisque moi je l'ai arrêté, je l'avais juste pour The Mandalorian. Pour que je puisse le regarder. Et du coup, avec l'histoire d'Erika, j'ai même pas eu le temps de le regarder. Donc. Ce soir, je vais certainement filmer le déballage du swap parce que j'arriverai pas à attendre demain. Donc, je pense que je regarderai ce soir. Voilà, bref, on s'en fout. Donc, sur les F, je vous ai dit, je mettrai le crayon Piloto Charlotte Tilbury et le petit Guerlain comme ça que j'essaye de descendre, mais qui a du mal à descendre quand même. Pourtant, je le mets régulièrement. Donc, il descend, mais j'ai l'impression qu'il est interminable. Enfin, tous les rouges à F que j'essaye de finir après. Comme je vous l'ai déjà dit, moi je mets du rouge à lèvres une fois sur la journée, après je n'en remets pas. Une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Je m'en fous. Je dois pas partir. Si là par exemple je remets avant de partir, et je vais certainement en remettre avant d'arriver. Mais après, je penserai certainement plus à en prendre. De toute façon, en principe, je ne les prends même pas dans mon sac à main. Là, je vais essayer d'y penser. Il faut que je range ma carte d'identité. Bref, je ne vais pas vous raconter ma vie. J'avais dit que j'essayerais que ça soit assez court, mais. Voilà. Maintenant, je suis juste impatiente. Dans une heure, on part. Dans 2h30, on arrive à peu près sur place, 2h30, 3h. J'ai hâte, je suis impatiente. Voilà, voilà. Bon, je vais achever de préparer ce qui me manque. Attends, chérie. Le chien vient de réagir, donc. Peut-être qu'il est dans le coin. Non. Voilà. Ça va, Propro ? Propro ? Propro ? Propro ? D'accord. C'est ce qui s'appelle un vent. Ah, j'ai un carton qui traîne là aussi. Faudrait peut-être que je pense à ranger. Faut que je monte aussi les trucs Boozy Shop là, parce que pour pas que Ryan aille faire trop l'inspection des travaux finis, enfin des colis. Là. Bref, bon allez, j'achève ce que j'ai à faire et je pense que je vais vous reprendre que dans la voiture. Ah non, je vais vous prendre pour vous montrer une fois que je serai prête. Voilà, chose qui sera certainement dans 5 minutes. On va voir. Donc je vous montre la tenue de loin, très loin. Voilà, je mets le top dans le pantalon. Je trouve que ça fait très joli comme ça et je vous montre avec le gilet. Ah là monsieur, donc je vais mettre ce gilet là, mais j'ai quand même pris mon pilou Voilà, ce gilet là, mon dieu, je l'aime. Il va devoir rentrer les pneus, donc il va faire du bruit. Voilà. C'est bien, non? Ouais. Il va faire du bruit. Hein. Et les chaussures, je vais mettre les bottines là, en fait. Elles sont quasi neuves, hein, mais mon chat a fait ses griffes dessus. Donc si vous avez une astuce pour enlever les griffes de chat, enfin les camoufler du moins, je prends. On se retrouve dans la voiture. Donc, vous allez entendre les voitures, mais on est actuellement à Wallin. On s'est arrêté pour que je puisse aller faire pipi, parce qu'au bout de 10 minutes, j'avais envie de faire pipi. Et je peux remplir ma vessie avec un bon cappuccino. Chérie nous a pris un croissant au chocolat, enfin, a pris un croissant au chocolat pour moi et un pain au chocolat pour lui. Oh, un petit moineau qui vient voir ce qu'on a. Ben, il reste à peu près combien de temps de route, là? Un peu moins d'une heure, ouais, on est pile à la moitié à peu près là, non? Ouais. Donc on a fait, on va dire, 45 minutes, il nous reste 45 minutes. Mais on s'arrête toujours ici parce que je voue une passion à ces petits cafés machines américains. Là. Quand il y a du Starbucks, je prends du Starbucks, mais Starbucks, chérie, gueule parce que c'est cher pour du café. Voilà. Ça, c'était une moto. Mais c'est un beau petit truc ici et on s'arrête toujours ici. On aime bien. Dès qu'on va quelque part en Belgique, on s'arrête ici. Et en France, on en a un autre. Voilà, voilà. Donc là, les filles sont prêtes. Je viens de recevoir les messages, leurs photos. Elles se sont maquillées aussi. Amy nous attend en espérant qu'il fasse meilleur. Après, s'il fait la température là, ça va. S'il pleut, ça va être chiant. Mais
il prévoit pas de pluie, il prévoit ce temps-là. Voilà. Nuageux. Mais on est bien, on est bien. De toute façon, j'ai pris mon gilet pilou-pilou. Hein. Monsieur m'a demandé, t'as pas oublié au moins? Non, ça risque pas. Voilà, donc, écoutez, je vous reprends tout à l'heure, de toute façon. Là, pour l'instant, je vais boire mon café et manger mon petit pain au chocolat. Mamie Queen. Mes beaux cheveux. Tes beaux cheveux qui ne sont plus oui, du tout lisses. Sont plus lisses. Mais c'est parce qu'il fait tellement chaud dehors. Ah ouais. La preuve, hein, on est tout en pull. On a tellement chaud que j'ai sorti les pilou-pilou. Regardez. Viens par ici. Ta silicone. Là, vous avez vu, je suis servie comme une queen. Oh, c'est ouf. C'est perturbant parce que moi, quand je filme, j'ai le retour écran. Oui, là, regarde son téléphone. Combien de fois tu t'es filmé et t'as pas appuyé sur le bouton? Pas cette fois-ci. Après, le problème, c'est que je ne sais pas si je suis bien cadrée. Attendez, je vais changer. Elle a quand même failli faire tomber son café. Hein. Bah, t'as une belle image, toi, quand même, ouais, avec ton téléphone. C'est un iPhone, madame. Pardon. iPhone 11. Eh. Donc, normalement, il y a la 4K des deux côtés. Où est-ce qu'on va regarder? On superpose. On voit plus. Un vlog. Oh, t'as qu'à rétrécir. Bah. T'es trop grand pour nous. Oui, parce que ça, c'est une petite précision. J'imaginais que Manon était toute petite. Je suis une naine. Et au final, je fais quasiment sa taille. Je dis qu'elle est petite, mais je fais quasiment sa taille. Ouais, c'est ce que je te disais alors. Et bon, j'ai des petits talons, moi, quand même. Oui, elle triche. Elle triche. Voilà, on s'est enfin vu, il était temps, donc on se les gèle, clairement, mais au moins il pleut pas. C'est déjà ça. Tu vois, c'est pas toujours de ma faute. Moi, je vlog pas, parce qu'elle est pas chaud, c'est à cause de toi quand même. Oui, Manon fait tomber la pluie. Apparemment. En même temps, Amy m'a dit au matin, je fais la danse du soleil. J'ai dit, te trompe pas. Tu l'as loupé, hein. Te trompe pas, ne fais pas la danse de la pluie. C'est la danse du cucu flasque d'hier, ça. Peut-être. T'as appelé la pluie. Mais si, je te jure, regarde, c'est tout flash. J'ai oublié ma perche. J'ai, voilà. C'est toi la perche? Non, c'est la perche. Nous, on est Riki qui est à côté d'elle. Je m'attendais celle-là. C'est celle-là, la perche. T'es pas sympa avec moi en fait. Mais je t'aime. Ouais, ah ouais? Mais oui, beaucoup. Tirer mes fils. Non, mais c'est. Tu m'aimes? Donc voilà. Vous voyez, quelle heure il est là? J'ai même pas donné. Mais il n'y avait pas juste ton heure, je crois. Je crois qu'il doit être presque, heures, ouais, pas loin de 4 heures, je pense. Il est l'heure d'une part chez toi? Non. Attendez. Hey, il est 4 heures moins le quart quand même. Faut bien que je me lance un peu des fleurs. Donc Amy commence à, comme moi, à se choper la grosse tête et à se lancer elle-même des fleurs. T'as vu, hein, t'es témoin. On l'a parce que j'ai coupé l'enregistrement à ce moment-là. Mais elle se lance des fleurs elle-même. Elle a pas de preuve. C'est faux. Mais je vais appeler moi. Ah ouais. Voilà, elles se sont... Maman, j'ai le dessert. Oui. On va passer au dessert. Montre ton dessert. Je vais les intoxiquer. Ah bon, hein? Oui, parce qu'elle a dit, elle a mis dans sa story qu'elle mangeait un petit pain avant de venir. C'est pour ça qu'elle n'a pas bouffé, parce que c'était moi qui faisais la cuisine. Connasse. Les goûts imprécisés. Bon, du coup, je vous aurais pas beaucoup vlogué du temps qu'on est ensemble. Parce que bon, on avait beaucoup d'autres choses à faire en fait, voilà. C'est plus important de se voir. C'était quand même la première fois nous deux. Oui. C'est notre première oui. Fois. Toi, t'as droit à un mini câlin, moi. Pas. Oh mais j'ai pas un câlin de tête, hein. J'ai pas été lourd l'échelle visage. Mais encore. Tiens, voilà. Fais service. Mais c'est quoi sur les cuillères directement et... Voilà, on va rejoindre nos messieurs pour aller manger le dessert parce qu'en plus, moi j'attrape mal au bras pour se tenir au téléphone. Oui, et puis les messieurs, quand on n'est pas là, ils parlent pas beaucoup. Alors ah, ben là, ils étaient en train de discuter, puis j'ai dit on revient tout de suite, les gars, ouais, t'inquiète, ils nous ont répondu. Ils m'ont répondu. Cassez-vous. Vous dérangez, arrêtez de parler de votre make-up, on s'en fout. Donc voilà, je pense pas vous reprendre beaucoup avant de. Si, on filmera quand même l'échange des swaps, je pense. Des ouais. Potins. Hein? Des. Bah, mais moi je vais pas couper, cocotte. Hein. Ah, mais allez, on va bouffer ça, nous. Allez, Amy. Oui. Fais coucou. Coucou. Alors, il est 18h06 précisément, et ça fait quoi un quart d'heure qu'on est reparti là.
à peu près, on arrive à 19h35 à la maison. Donc on va sûrement passer chercher un petit truc à bouffer. Donc je vais clôturer le vlog ici dans la voiture avec la bruit qui résonne. Hein. Je vous dis, la voiture est très bruyante. Vous avez l'habitude là maintenant. Voilà, on a passé une super journée, c'est super agréable. Merci Emy pour l'accueil. Ça m'a fait super plaisir de les avoir toutes les deux en même temps. On a vraiment passé un super moment. Que ce soit aussi bien pour les femmes que pour les hommes, c'était génial. On a bien rigolé, on a bien mangé. Même si j'ai mangé que 3 feuilles de salade et que je me suis fait dire. Après, je mange pas beaucoup, mais elles le savaient, mais je me suis quand même fait engueuler. Voilà. Le tiramisu était très bon, on n'est pas mort, c'est parfait. Donc voilà, je vous laisse ici parce que là, je suis complètement explosée. Quand on rentre, je mange et je vais tout de suite déballer le swap que vous aurez donc mercredi. Et voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner, c'est bon pour faire, de laisser un petit pouce en l'air. Bien sûr, je vous mets les liens des chaînes des filles en barre d'infos, comme ça, vous pouvez aller voir. Si vous ne les connaissez pas encore, vous allez vous abonner, liker, tout ça, tout ça. Et de toute façon, je vous en reparle mercredi dans le déballage du swap. Bip.